calme, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on va vous détendre ce soir. On a mis le paquet, on n'a pas un invité, mais deux avec lesquels je pense on ne va pas s'ennuyer. Je vous propose tous d'accueillir Kamel Wally, bonsoir. Chorégraphe et metteur en scène d'une prochaine comédie musicale qui s'appelle Le Roi Soleil, on en parlera tout à l'heure, mais également Cyril Hanouna. Merci. Tournée dans toute la France. Vous allez bien tous les deux? Ça va et toi? On doit t'appeler Nagui ou Karine Lemarchand? Non, c'est pour savoir. Ça ira. Ça va et toi, Nagui? Alors, taratata, comment ça se profile là? Très bien. Hein? Très et bien. Le meilleur gagne, tu le fais plus alors? Ah non. Non, mais t'es bien. Tu veux, je te dis, je te préfère comme ça. T'es pas mal. Hein? Autant avant, t'étais pas du tout mon style physiquement. Autant là, il peut se passer un truc entre nous. Je sais pas si on va réussir à tenir. Vous faites rien ce soir, 23h, ça va? On va pas durer pendant 4 heures non plus l'émission? T'inquiète pas, on sera là. On sera là. Bon, viens nu dans ma loge. Et pour me seconder dans cette émission, on change pas une équipe qui gagne. Les voici, les voilà. Je vous propose d'accueillir nos chroniqueurs. Tout de suite, on commence par Dominique pour la Belgique. Georges, le Portugal. Eric pour la Suède. Maria pour l'Espagne. Annette pour l'Allemagne. Et David pour l'Angleterre. Bonsoir. Ce soir, plein d'infos, plus étonnantes les unes que les autres, venues des quatre coins d'Europe. On garde le sommaire? C'est parti. Ça y est, Camilla et Charles se sont dit oui. À cette occasion, nous ferons donc un tour d'Europe des mariages, des plus traditionnels aux plus branchés. Vous saurez comment s'unissent nos Européens, sans oublier les indiscrétions les plus croustillantes sur le mariage du futur roi d'Angleterre. L'Angleterre toujours, où une émission a changé les menus des cantines des petits British. Présenté par un jeune chef déjanté, Jamie Oliver, ce programme nourrit une énorme polémique. Même Tony Blair en a perdu son flegme légendaire. Le Canada nous rendra une petite visite pour nous parler d'un phénomène très très étrange. Chaque année, plus de 3 millions de personnes déménagent le même week-end. Où vont-ils et pourquoi faire? À suivre. Notre plus ou moins de la semaine nous dit quels sont les pays les plus équipés en téléphone portable et qui passe le plus de coups de fil avec son mobile. Encore plus libre, c'est parti! Et on commence tout de suite avec le plus en commun. Alors, difficile de ne pas le savoir aujourd'hui, c'est le mariage du prince Charles avec Camilla. Donc on vous en a suffisamment parlé, c'est bon. Mais si vous avez vous aussi envie de vous marier en grande pompe, je sais pas d'ailleurs vous deux, on verra. Moi j'ai arrêté de me marier depuis 78. Bon, bah, Kamel, ouais. Vous songez à vous marier? C'est pas prévu pour l'instant. C'est pas prévu pour l'instant. Alors vous, si chez vous, vous avez envie de vous marier en grande pompe et que vous n'êtes pas milliardaire, comme Charles et Camilla, encore plus libre, vous propose de découvrir la ville de Gretna Green, c'est en Écosse. Et pour les 260 000 Français qui devraient se marier cette année, regardez, ça va peut-être vous donner des idées. Tout le gratin était à Londres pour le mariage du siècle, mais nous, on était sûr que ce jour-là, il y avait dans le pays des mariages tout aussi princiers, en plus intimes. Voilà comment on s'est retrouvé à Gretna Green, charmante bourgade écossaise où n'importe qui peut convoler en juste noce, d'où qu'ils viennent et sans aucune formalité, un peu comme à Las Vegas. Et les amoureux du monde entier se passent le mot, chaque année, 5000 couples viennent ici s'offrir un mariage royal. Pour le grand jour, les Potter avaient décidé de sortir le grand jeu. Après une demande en mariage le jour de la Saint-Valentin, ils rêvaient de se dire oui, non pas à la mairie, mais devant l'enclume. Ah, le pouvoir des symboles. On y scelle les cœurs comme on y scellait les fers, pour l'éternité. Je voulais me marier à Gretna Green parce que c'est romantique. Je l'ai suivi. Je trouvais que c'était plus romantique qu'à la mairie du coin. Et puis il y a l'histoire de ce lieu. C'est aussi ça qui fait que c'est si romantique. Ah, l'histoire de Gretna Green. Elle vaut bien celle du château de Windsor. Jim est le gardien des lieux, il est aussi leur mémoire. Au XVIe siècle, en Angleterre, les jeunes couples ne pouvaient pas se marier sans l'accord de leurs parents. Alors ils s'enfuyaient et venaient ici, en Écosse, où la loi était plus souple. Le prêtre forgeron les mariait avec juste deux témoins. 400 ans plus tard, de jeunes amoureux viennent toujours ici pour se jurer fidélité. Mais l'époque des mariages à la sauvette est bel et bien terminée. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Je vais me marier, je cherche mon costume.
Vous êtes au bon endroit. David, lui, passera devant l'enclume le mois prochain. Aujourd'hui, il est juste venu chercher la tenue de prince charmant dont il a toujours rêvé. Le traditionnel kilt écossais et surtout, surtout, la veste que tout le monde s'arrache. Cette veste s'appelle la veste du prince Charles. On la porte que pour les grandes occasions. Et pour faire honneur à sa Camilla, David est prêt à casser sa tirelire. Son petit ensemble va lui coûter 1 500 €. En même temps, il aurait tort de se priver, hein. Ça lui va vachement bien. Et puis en plus, c'est ultra tendance. C'est très tendance. Les jeunes Écossais portent le kilt aussi bien pour sortir le soir que pour se marier. Alors, si finalement vous trouvez que Gretna Green, c'est beaucoup plus romantique que le château de Windsor, eh bien sachez que pour 2 700 €, carrosse et hôtel compris, vous pouvez vous aussi vous offrir un mariage royal. Mais avant, il faudra juste que vous trouviez votre prince charmant. C'est la seule chose qui n'est pas fournie dans le package. Oh là là. Se marier en kilt. C'est bien ça. Alors David, ça y est, tout s'est bien passé? Oui, mais là, cet endroit-là, il ne faut jamais y aller. Ah bon? C'est une petite ville glauque. Excusez-moi. Non, pour quel motif, je te demandais? Pour aller se marier, peut-être, mais c'est juste... C'est la petite ville qui fait ville frontière. C'est l'autre côté de la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. C'est glauque, il n'y a rien. Tu te maries, tu t'en vas. D'accord, tu te maries, tu t'en vas. Tu vas juste pour te marier là-bas. C'est voilà. Voilà. Tu restes pas après pour prendre un petit verre. Non, c'est pas bon. Okay, non, il n'y a pas de bowling, il n'y a rien. Non. C'est bon, on parle de Charles et Camilla? Ben oui. Est-ce qu'on sait, tiens, comment Charles appelle Camilla dans l'intimité? C'est CC, d'ailleurs. Il lui achète toujours des cadeaux d'une grande marque ici, où il y a deux C entrelacés. Il appelle CC, non? Non, ma salope, je pense, comme tout le monde. Je confirme, j'y étais. Non, mais... parce qu'il faut parler gentiment de Prince Charles un tout petit peu, quand même, parce que son mariage, c'était une catastrophe du début jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Même les petits souvenirs toquent. Ah ouais. Il y a une erreur, parce que tout est marqué 8 avril, et on est le 9 avril aujourd'hui. Mais oui, ça a été reculé d'une journée. Ça vaut rien. Ça vaut rien, il a raison, ça vaut rien. Mais vous savez, quand il annonce le mariage, il voulait faire profil bas pour ce mariage. Il voulait que ce soit quelque chose de petit et romantique. Parce qu'il voulait annoncer la nouvelle le 14 février. Tu sais, le jour de Saint-Valentin. Ouais. C'est romantique. Ouais. Mais il y avait une fuite à la presse. Donc c'était annoncé le 10 février au lieu du 14 février. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait comme titre dans le Daily Star? Il y avait « Two old gits get married », deux vieux schnocks se marient. Donc c'était mal barré. Il y avait quoi dans la presse? Deux en fait vieux schnocks se marient. Une frite. Non, two old gits. Une fuite, dont je parlais anglais. Il y a une fuite. Ah, il y a une fuite dans la presse. Ah ouais. Bah, tant que c'est pas dans Camilla. Hein. Ah, vous l'avez pas compris. Déconnez. Mais c'est l'âge où ça commence. Bah oui. Donc ils ont dû changer de lieu, n'est-ce pas? Ils voulaient se marier dans le château de Windsor, mais ils se sont mariés avec les plus qu'à la mairie. Donc catastrophe du début jusqu'à la fin. Et on espère qu'une chose pour Camilla, parce qu'elle attend cette nuit depuis 30 ans. Et espérons que Charles sera à la hauteur de cette attente. Moi, je trouve ça super effrayant, une femme comme ça qui va attendre 35 ans, je sais pas combien d'années. Non, mais c'est Tristan et Iseut, c'est beau, c'est Héloïse et Abelard, c'est très, très beau. Mais non, pas du tout, elle s'est mariée de son côté, il continue à se voir, lui s'est marié de son côté. Enfin, aucune femme mariée n'est à l'abri avec une femme pareille. Ils étaient tous là aujourd'hui, ils ont dit pardon dans les termes les plus humbles possibles à l'ancien mari de Camilla et aussi aux deux enfants de Charles et Lady Di. Donc on peut le pardonner, je pense. Arrête d'emmerder Prince Charles qui vit heureux, tranquille, ensemble. Merde. Alors, Maria, vous aussi, en Espagne, vous avez des princes et des princesses. Donc nous, déjà, le mariage chez nous, c'est très fastueux. On n'hésite pas sur les moyens. Pareil. On met vraiment le paquet, parce que déjà, c'est le plus beau jour de ta vie. Ça dépend pour qui. Hein. Ça dépend, mais normalement, c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Et en plus, tu as toute la famille qui vient. Ah bah justement, je te dis. Vous n'êtes pas mariés, c'est ça? Non, pas encore. Mais ma famille vient chez moi tous les dimanches quand même. Tu vois. Et donc, le truc, c'est qu'en Espagne, on est un peu critique. Donc, si tu as le malheur en plus que ta cousine ou quelqu'un de ta famille se soit marié avant, c'est « Oh, la robe de l'autre, elle était mieux, le menu de l'autre, c'était mieux. » Donc, il faut mettre un bon budget.
Ça, c'est pas qu'en Espagne. Hein. Oui, mais là-bas, c'est exagéré. C'est vraiment très, très exagéré. Et à titre d'exemple, le mariage le plus fastueux qu'il y a eu récemment... Il a dit que c'est partout. Je peux t'interrompre? Oui, bien sûr. Il voulait casser ta chronique, là, en disant que c'est... Ce on vous invite à cette émission. Oui. Vous venez ici pour casser la chronique de cette chroniqueuse. Vous n'avez pas honte? Non, je voulais qu'elle me dise. Non, mais tu verrais, si tu viens avec moi en Espagne dans un mariage, ça prend encore plus d'importance que dans un autre pays. C'est une ouverture. C'est une invitation que j'attendais. J'ai pas de mariage en vue, mais la prochaine fois... On ira faire avec toi. On va te laisser ses coordonnées. Je vous invite quand même à la suite. OK, on fait ça, OK? Mais de toute façon, tu fais ça dans toutes les émissions, Kamel. Tu casses. C'est pas la première fois que tu le fais, moi je voulais pas le dire, mais t'as raison de soulever le lièvre. C'est ce qu'il fait tout le temps. Oui, bon, Maria, on peut continuer? Oui, Maria, tu peux continuer, mais j'étais en train de parler. Maria, on enchaîne. Donc, le mariage très fastueux voilà, en Espagne. C'était celui de Leticia Ortiz et du prince Felipe, qui ils a vont, coûté... Ils vont plus t'interrompre là, t'inquiète pas. qui a coûté 20 millions d'euros. Mais non. Ah. Eh oui. Et qui l'a payé? Les contribuables espagnols. Ils n'ont rien dit? Ben non, on a payé, c'est dans les impôts. Comme quoi la République, ça a du bon. Hein. Voilà. Et parce qu'en fait, un mariage normalement espagnol, ça coûte aux alentours des 15 000 euros. C'est déjà une bonne somme. Mais là, 20 000 euros. Et pour ce prix-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 1400 invités, quand même, à nourrir. Il y a des chips? Il y a des petites saucisses cocktail ou pas à ce prix-là? Vous avez un gâteau de 150 kilos et 2 mètres de haut. Mais surtout, en Espagne, l'argent, c'est pas du tout un tabou. Parce qu'en fait, dans les faire-part, quand on voit un faire-part des mariages, nous, les cadeaux ringards, on n'en veut pas. Les quatre plateaux en argent, les services à thé, tout ça, on n'en veut pas. Moi, je leur ai offert un Rubik's Cube, ils étaient ravis. On en a marre. Comment? Je leur ai offert un Rubik's Cube, ils étaient super contents, c'est un petit truc là. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une petite carte avec le nom et le compte bancaire. Non. Le RIB. Voilà. Bah, donc, on met ça. Envoyer l'argent directement. Et on envoie l'argent sur le compte des mariés. Donc, je propose à Annette, comme elle va bientôt se marier, c'est une bonne idée pour s'en faire part. Je trouve que c'est génial. Oui. Je trouve que c'est génial. Non, mais pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien, mais je sais qu'en France, ça se fait pas. C'est roublard. Ouais. En France, ça coûte 12 000 euros à peu près un mariage. Et en revanche, on récupère 5 000 euros de cadeaux. Et je voulais juste dire, parce que, comme il dit, c'est partout pareil. En Allemagne, par exemple, il y a maintenant un supermarché qui organise des mariages et ça ne coûte que 2 222 euros. Et vous avez tout. Vous avez les cocktails, le champagne, vous avez les dîners. Je connais, ça gagne des pretzels à ce prix-là. C'est un très bon dîner, voilà. On est très économes. Très pragmatiques, les Allemands. Georges, au Portugal, il n'y a pas de princesse, mais les filles ont des belles robes. Exactement, Karine. Le mariage People qui a fait le plus parler au Portugal dernièrement, c'est celui de la grande styliste que vous connaissez peut-être, Kamel et Cyril, Fatima Lopez. Mais non, voilà. Et pour... Mais vous savez que je la connais. Mais sans déconner, je la connais. C'est elle. Et ben voilà. Je la connais. Il n'y a qu'une styliste au Portugal. Donc... Non, il y en a plein de stylistes. Il y en a plusieurs. C'est en tout cas ce qui est reconnu en France. Vous la connaissez, vous? Ah oui, je connais. Elle habille joliment les femmes. En France aussi? En France aussi, oui, bien sûr. Elle a fait déjà, ça même fait 2-3 ans dans le monde entier, au Japon. Fatima Lopez, ne lui parlez pas de moi sans rigoler, j'ai une anecdote avec Fatima Lopez, c'est bizarre, je ne connais qu'une styliste. Voilà, et ben un jour, voilà, j'étais donc tranquillement en train de faire un gag, elle faisait un défilé à Paris, et la robe de mariée, elle est arrivée, et j'ai mis une robe de mariée tout nue, et je suis passé devant les photographes, et je lui ai pourri son défilé. Je vous ai vu à la fin du défilé. Et toutes les photos, j'y étais. La robe de mariée, si c'est incroyable. Vrai. C'est vous. Oui. Mais sans déconner, elle a voulu faire un procès. Sans déconner, c'est vrai. J'étais justement et on voit, en fait, on voit un fou, excusez-moi, on voit quelqu'un qui arrive et on se dit, parce que le défilé c'est quand même hyper formaté et formel, même quand on essaie d'être original. Ça coûte tellement d'argent que c'est vrai qu'on a envie d'aller jusqu'au bout et surtout la robe et de mariée. Le problème de Fatima, c'est le final. Le problème à la fin, c'est justement la photo finale, elle est dans toute la presse et partout. Non. Et il y avait justement Cyril sur toutes les photos. Et dans toutes les photos, je suis dedans. Un jour, je tombe sur la chaîne Fashion TV et je suis dedans comme ça. Oui, je suis mannequin à mes heures perdues, mais je n'ai pas envie d'en parler. Et donc c'est pour ça en fait en tant que si sa robe était très attendue et même si on ne parle pas d'argent au Portugal, sa robe était quand même en fil de platine, elle avait des incrustations de diamants même sur les cheveux et son mari est un des industriels, des plus grands industriels portugais. Voilà. Annette, mais nous, merci Allemagne... beaucoup Georges. Annette, il est bon Georges, en plus parce qu'il n'a pas de fiche.
Quels sont les mariages people qui font beaucoup de bruit en ce moment? Mais on adore en général les mariages people, mais ça se passe jamais en Allemagne parce que tous nos people se marient avec des étrangers. Bizarre, non? Je sais pas. Non, mais en Allemagne, un mariage en Allemagne, ça doit être chiant. Je me marie à Stuttgart, c'est bon, quoi. La tristesse du mariage. Non, mais c'est vrai, je veux pas dire, tu vois, mais bon. Organisez-vous, Annette. Non, mais vraiment, le mariage qui nous a fait rêver, c'était le mariage de Claudia Schiffer avec Matthew Vaughn. Un Anglais, Matthew Vaughn, qui est un producteur du cinéma anglais. Regardez comme ils sont beaux, les deux. Ouais. Et c'était dans un petit manoir du 16e siècle. Elle était dans une robe entièrement faite à la maison, faite à la main. faite à la maison de Valentino. Et avec une traîne de 4 mètres, une voile de 5 mètres, elle était sublissime. Et c'était très original parce qu'elle a organisé un match de foot entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et qui a gagné? L'Allemagne. Non, parce que le gardien de but était Boris Becker. Voilà, et on a perdu 6 à 2. Voilà, on n'était pas très fiers. Et c'était juste, il y avait une petite frustration pour les Allemands parce qu'en fait, elle a vendu son mariage, la couverture médiatique, à un magazine anglais pour 711 000 euros. En parlant de mariage, vous, toutes les femmes qui vous nous regardez sur France 2, je dois vous dire que le grand Jojo n'est toujours pas marié. Je ne sais pas si vous vous souvenez de grand Jojo. Toutes les chansons. Écoutez. Chef Mort d'hiver, on a soif. Vous souvenez de lui? Est-ce qu'on va voir une photo? Chef Mort d'hiver, on a soif. Il y a même, j'aurais bien voulu une petite photo du grand Jojo parce qu'il n'a pas changé, il est toujours aussi beau, aussi musclé, aussi vieux, aussi viril. Alors si les femmes sont intéressées, ah oui, effectivement. Voilà, c'est le grand Jojo. Ah oui. C'est une star chez nous. Bah, c'est José Bové. Non, c'est... Donc, mesdemoiselles, mesdames qui êtes intéressées, vous pouvez écrire à France 2, France 2, grand Jojo, et moi, je lui ferai parvenir. Éric. Éric, l'enterrement de vie de garçon fait, on va dire, un comeback d'une drôle de manière en Suède. C'est un peu le comeback, parce que normalement, l'enterrement de vie de garçon, c'est devenu cliché, c'est un peu... Normalement, on se retrouve entre amis, on boit, le soir, on a souvent une stripteaseuse, un gogo danseur qui va danser un peu, et c'est devenu vraiment le cliché, c'est vraiment out, on ne le fait plus en Suède. Mais maintenant, par contre, il y a une toute nouveauté, et en fait, on se retrouve dans des salles de boxe, parce que tous les grands clubs en Suède de boxe proposent maintenant que vous venez en groupe, normalement, en amis, ils vous préparent un grand match, une grande soirée, avec l'entrée habillée, boxeur, wow, la musique. Dun, 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 dun. Vous rentrez, c'est génial. Tu le fais très bien, ça, tu le tiens. Très bien. Vraiment. Et là, une fois que vous rentrez en scène, vous rencontrez le grand champion, parce que les clubs vous présentent le poids lourd, champion de Suède. Et vous allez faire un match de boxe contre lui, en 3 rondes. Vous avez aussi la femme en bikini qui passe avec le chiffre 1 et 2 et tout ça. Et ça fait vraiment le carton total. C'est vraiment devenu le must. C'est horrible, ils prennent un risque énorme. Ils vont se faire casser la figure la veille de leur mariage. Oui, mais c'est aussi de se montrer un peu viril. C'est un vrai match de boxe. Et justement, Cyril, j'ai pensé à une petite chose. On a fait en fait une petite surprise pour vous. Oui, mais je n'enterre pas de vie de garçon, là, actuellement. Non, mais on a... N'est-ce pas, Karine? Mais vous êtes amoureux. Ouais. Moi, je suis amoureux. Oui. J'étais amoureux en 86, non, 87. Non, moi, je l'ai déjà vu, votre fiancée. Non, tu confonds. Ah non, elle est très jolie, très gentille. Vous êtes très amoureux. Vous êtes très amoureux. Donc, vous allez le trouver. En pleine préparation pour le championnat d'Europe en Norvège, je vous présente Karima Ulfsson. Tu donnes tout et tu soignes ta garde. C'est une professionnelle, donc. Oui. C'est exactement ce que je recherche, toi. Non, mais professionnelle de boxe. Allez, attention. Les touche les bons. Allez, bon. Allez, Kamel, on soutient la championne. C'est parti. Pardon. Allez, bon. Vas-y, Kamel. Vas-y, prends plus dedans. Vas-y, Kamel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. J'ai besoin de me ressourcer.
Allez, vas-y, Cyril. C'est le championnat d'Europe, vas-y. J'ai quand même voulu terminer par dire que normalement, quand on fait ça en Suède, c'est toujours, on gagne toujours à la fin en KO. Normalement, ouais, normalement, vous aurez dû gagner en Suède. Okay. Mais c'est un peu plus dur en France. Merci beaucoup. Hein. Merci Eric. J'espère que vos idées séduiront les Français et les Françaises qui s'apprêtent à faire le grand saut cette année, les années suivantes. On continue notre tour d'Europe avec plus d'images. Projecteur sur un grand chef anglais très rock'n'roll. Il a mis sa notoriété au service d'une bonne cause, l'éducation alimentaire des petits Anglais. En 12 épisodes de télé-réalité, il a réussi à bouleverser les menus des écoliers british. Un extrait. Il est beau, ses restos affichent complet et surtout, il vient de révolutionner les cantines britanniques. Voici Jamie Oliver, le chef le plus couru outre-Manche. Son dernier combat, apprendre aux tout petits à bien manger. Et pour ça, il va prêcher la bonne parole sur les lieux du crime. S'il y a un lieu où l'on peut améliorer la nourriture des enfants, c'est bien ici, à l'école. Mais tant que l'on continuera à leur servir ça, cela ne pourra qu'empirer. Le jeune chef n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se rendre compte que les repas servis dans les écoles n'étaient pas franchement équilibrés. Pour changer tout ça, Jamie a décidé de soumettre les cantinières à un entraînement pour le moins militaire. Vous avez bien dormi ? Et ça tombe bien, parce qu'elles vont devoir changer toutes leurs habitudes, remplacer leurs traditionnels fish and chips par de bons ragoûts faits maison. Les filles, vous êtes là ? Je veux que le repas ait l'air bon. Je veux que le goût soit parfait. Et si vous ratez le riz, recommencez. Une fois de retour à la cantine, on ne peut pas dire que le premier essai soit franchement concluant. Notre sauveur du goût va alors jouer la carte de la pédagogie. Il montre à ses jeunes élèves comment on prépare ces nuggets qu'ils aiment tant. Ça paraît tout bête comme ça, oui, mais voilà, ça marche. Les nuggets sont soudain délaissés pour des bonnes cuisses de poulet grillé. Avant, on regardait pas sur les boîtes, mais maintenant, on va le faire. Et c'est ça, la force de Jamie Oliver, se servir de son image et de la télé pour engendrer une petite révolution sociale, tout en devenant millionnaire. Juste de quoi faire une jolie surprise à sa femme. Une toute petite voiture pour son anniversaire. Allez, viens chérie. Kamel a 11 frères et sœurs. Mmh. Est-ce que vous alliez à la cantine quand vous étiez petit ? Alors moi, c'est assez particulier. Comme vous l'avez dit, j'ai 11 frères et sœurs et je suis le seul qui a à chaque fois commencé à aller à la cantine et puis après qui voulait rentrer à la maison manger. Ah, vous êtes le seul à avoir arrêté ? Ouais, sinon les autres, ont tous, ça les éclatait d'aller à la cantine. Ben, je crois que c'était pas très bon et puis je crois que c'était un petit peu bruyant et j'aimais me retrouver un petit peu en solitaire. Et vous êtes allé à la cantine, vous ? C'était trop bruyant pour moi aussi. Bien. David, alors est-ce qu'il y a eu des conséquences énormes dans les cantines anglaises ? Énormes, c'est le mot. Oui, vous connaissez Jamie Oliver ici. J'ai déjà vu sa tête, mais... Oui, c'est une grande vedette en Angleterre, aux États-Unis. C'est lui qui a fait le buffet pour les Oscars, le buffet repas pour les Oscars. Ah. Non, mais j'ai déjà vu. Ça vous impressionne pas ? Non. Non. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Dis-nous autre chose, là, parce que ça a impressionné personne. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il s'appelle un écrit chef. Donc, c'est une sorte de rebelle. C'est notre premier chef punk. En effet, il mince pas ses mots. Par exemple, ce qu'il a dit, il avait demandé le 12 octobre 2004, dernier. Il avait demandé au gouvernement d'améliorer les repas scolaires. Parce qu'en effet, on fait le prix d'un repas scolaire en Angleterre, ça coûte 50 cents. Ah, donc, il disait, ça coûte 10 fois plus en France. Hein. 10 fois, oui. Ouais. On peut même pas nourrir un klebs avec 50 cents, il disait. Il disait même que, parce que les enfants, ils mangent pas de légumes là-bas, ils mangent que des chips. Ils croient que les chips, ça suffit comme légumes. Il disait, les enfants, ils sont tellement constipés avec leurs propres excréments qu'ils vomissaient leurs crottes. Oh. Donc il a dit au gouvernement qu'il faut que ça change. Il est très propre ce garçon. Oui. Hein. C'est rock'n'roll, quoi. Il est rock'n'roll, hein, oui, il est un peu trash. Mais donc le 12 octobre, le gouvernement a rien fait. Donc il a lancé cette émission le 23 février avec sa propre production. C'était son idée, avec le but de changer cette attitude envers les repas scolaires. Et par le 30 mars, il est allé voir Tony Blair avec une pétition signée par 300 000 personnes. Wow.
Et du coup, Tony Blair a changé d'avis. Et en plus, on a des élections qui arrivent là, le 5 mai. Le nerf de la guerre. Donc, Tony Blair, il a promis 400 millions d'euros pour améliorer les repas scolaires. Et ce n'est pas seulement en Angleterre que ça va changer, parce qu'ils ont déjà vendu l'émission en Scandinave, en Suède, et en Allemagne. Mais donc chez nous, il y a peu de cantines, en fait, comme les écoles s'arrêtent très tôt. Eh oui, on a cours que le matin en Allemagne. On mange à la maison. Ah oui, donc c'est faux. Oui. Merci David, on passe à plus de presse. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous en Suède qu'on n'a pas chez nous et qu'on ne sait pas encore? Ben, en fait, j'ai pu lire un article dans le... en fait, ça, c'est dans tous les journaux parce qu'en fait, c'est une... Et en plus, c'est une très bonne nouvelle pour vous, les Français. Parce qu'en Suède, on a décidé d'arrêter la compétition de Miss Suède. Ah, vous savez, oui, parce qu'on voit maintenant que c'est devenu déjà démodé, les gens, ils voient aucun intérêt de continuer cette compétition. Mais pourquoi c'est une belle nouvelle pour vous, pour nous? C'est une bonne nouvelle pour vous, parce qu'en fait, vous avez gagné une seule fois, et c'était dans les années 50 avec votre Miss France. Et nous, c'est Les Miss Europe, c'est ça? D'habitude, ouais, elles sont remportées par les Miss... C'est Miss France, Miss Suède, qui devient Miss Universe. Ah. Le monde entier. En fait, nous, c'est le seul pays en Europe qui a gagné 3 fois, et on a été placé dans les 4 premiers plus de 20 fois. Alors, je me suis dit que maintenant, comme nous, on arrête tout ça. On n'a jamais gagné. Ouais. Alors, c'est l'équivalent de Miss Monde. Il n'y a que des belles filles en Suède. En fait, le mec qui regarde l'émission, là, ses enfants, ils veulent partir en Allemagne. Lui, il veut partir en Suède. Non, mais sans déconner, j'ai l'impression que... Non, mais les familles se disloquent. À cause de votre faute. Voilà. À cause de votre faute. Mais c'est vrai, en plus. Mais c'est pas un peu ringard, Miss Univers, vous trouvez pas? Miss Monde. Ah ouais. C'est la même chose que Miss France, c'est pareil. Vraiment, le chose drôle, c'est qu'on a quand même posé des questions à des anciens Miss Suède. Comment vous voyez ça, qu'on arrête cette compétition? La Helena Steenbeck, c'est la dernière. Oui, Steenbeck, 2003. Elle fait pas très suédoise, hein? Ben, vous savez, on n'est pas tous blondes là-bas. Moi, je trouve que les émissions comme ça, que ce soit l'Eurovision ou Miss Monde, ce que je trouve sympa, c'est la réunion de tous ces pays, en fait. Dans tous les cas, vous pourrez gagner maintenant plus facilement. Mais nous on a un nouveau concours. En fait, il y a quelques semaines, on a eu aussi l'élection de Miss Espagne. C'est toi? Non, c'est pas moi. Oh, charmant. Merci. Je ne te cache pas que j'aurais voté pour toi. Maintenant, tu le prends, tu fais ton festival. Merci. Et en fait, il y a une émission qui tu a décidé pas, de faire l'élection Miss Moche 2005. Oh, c'est drôle. Donc, ça a fait polémique. C'est affreux. Ils ont pris les plus moches qui se sont présentés. Ils ont demandé au public de voter. Mais le truc qui est intéressant, c'est que la fille qui a gagné, en fait, elle a fait tous les plateaux de télé et elle est devenue plus importante que Miss Espagne 2005. Enfin, une bonne nouvelle. Elle a plein de propositions de boulot, comme quoi, des fois, ça a quand même un petit avantage. Ouais, mais par contre, la honte, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je sors avec Miss Monde. Non, il y a tous les goûts. Des goûts. Annette. Alors, j'ai lu dans Petra, c'est un magazine féminin, que plus de 80% des hommes allemands ont le même problème. En fait, ils se trompent de taille des préservatifs. Quand ils achètent un préservatif, ils achètent trop grand ou trop petit. Qu'est-ce ça que vous pensez? Ça fait des saucisses, ça. Il y en a, hein, des saucisses chez nous. Non, vous pensez trop grand ou trop petit? Moi, je pense qu'ils achètent trop grand. Mais ça, c'est une réaction très française. Moi, je vais dire qu'ils achètent trop grand aussi, franchement. Et vous pensez quoi? Bah, oui, trop grand. J'ai connu 2-3 Allemands. Et qu'est-ce que vous avez fait avec... Bien achalandé, hein. Je ne citerai pas de nom. Hein. Et alors, il y a des tailles, hein, c'est ça? Mais bien évidemment, de small jusqu'à... Ça vient de sortir, c'est XXXL. Et alors? Wow. Wow. Non, c'est vrai que ça vient de sortir. Comment on peut calculer? Ça vient de sortir. Parce qu'avant, j'avais de gros problèmes. Non, mais oui. J'étais obligé de mettre des sacs plastiques. Des sacs poubelles. Ben oui, ouais, c'est vrai. Non, mais est-ce que vous connaissez votre taille en préservatif? Non. Lui, c'est un petit M. Un petit M. Moi, j'étais en petit S il y a 2 ans. Depuis, j'ai fait une extension du pénis. Et là, je suis à tripixel, d'ailleurs, puisque ça vient de sortir. Non, mais sérieusement, non, mais il existe des tailles, je vous signale, sur les boîtes de préservatifs en France aussi. Est-ce que vous connaissez votre taille? Et moi, je sais, non, sans rien. Moi, je sais que, moi, malheureusement, ma taille, c'est S. Mais j'aurais pu avoir une très belle quéquette, puisque mon père a une très belle quéquette. Mais malheureusement, j'ai pris celle de ma mère. Non, mais c'est vrai, sans déconner.
connaissez pas votre taille. Voilà. Ben, c'est écrit derrière. Bon, ah bon. Annette, comment vous pour savoir? En tout cas, les Allemands achètent trop petit. Et voilà, ils sont très modestes. Ils achètent trop petit. Et le problème, quand ils achètent trop petit, ça veut dire soit ça éclate ou ça fait vraiment mal. Quand ils achètent trop grand, ils le perdent. C'est pas bien non plus. Et voilà. Et c'est pour cela que ce magazine a sorti une sorte de mètre pour mesurer. Parce qu'on peut mesurer la longueur et la circonférence. Oui. Oui. C'est comme avec les spaghettis. Et pour ça, on peut savoir... Si, j'ai des appareils pour mesurer les spaghettis. Pour les spaghettis. Le nombre de personnes. Ouais, voilà. Mais les spaghettis... Si tu compares les spaghettis à des kékettes, mais oui, tu je voulais dire, non, c'est l'appareil pour mesurer que je compte. Tu le présenteras à ton ex. Hein. Non, mais c'est important. Voilà, juste pour vous à la maison, si vous voulez, circonférence et longueur. On peut mesurer. Merci, et après, dans la pharmacie, vous n'êtes plus obligé de demander le XXXL. Même, je sais que vous êtes très tenté. Mais moi, j'ai le compas dans l'œil pour ces trucs-là. C'est bon. Dis-moi, 1m85, ça existe? Non. C'est 19 cm, c'est le maximum. Oui, oui, pour nous, c'est maximal. Bon, très bien. Alors, d'après une enquête faite par une célèbre marque de préservatifs, ce sont les Allemands qui font l'amour le plus longtemps. Ils font l'amour 22 minutes et demie. Mon œil. Ah, mais ils sont là, à chaque fois. Ouais. C'est pour ça qu'Annette est avec un Français. En revanche... Ouais, mais... En revanche... En France, on est les champions. On est le peuple qui on va dire, qui sexuellement est le plus actif. On fait l'amour 137 fois par an. Ouais, c'est-à-dire plus d'une fois par an. Il y a plus de chômage. Dominique. Moi, c'est vraiment, on va pas rigoler, c'est vraiment très sérieux ce dont je vais vous parler. Je l'ai lu dans le journal La Dernière Heure. Vous savez, en Belgique, on a un peu une plaque tournante de la drogue, malheureusement. Et les pouvoirs s'intéressent vraiment aux moyens de transporter la drogue. Comment on transporte la drogue? Alors, on savait déjà que la drogue se transportait dans des jeux pour enfants, dans, je ne vais pas citer la marque. Et on savait aussi qu'on transportait la drogue dans du savon. Mais la nouvelle technique maintenant, devinez où la drogue se transporte, où on met la drogue pour la transporter? Dans des vaches. Mais où? Des vraies devinez, vaches? Dans des vaches, mais c'est où horrible, hein. Dans l'utérus des vaches. Mais quelle horreur. Non, mais c'est terrible. C'est dégueulasse. Non, c'est terrible. Alors, ce qui se passe, donc une enquête est ouverte. Et vous savez, ce qui est horrible, c'est que pour récupérer la drogue, on est obligé de tuer les vaches. Ah, et le trafic se fait entre la Belgique et la France. Ah bon? Voilà. Mais c'est monstrueux. Ah oui, donc c'est une affaire à suivre. L'enquête est ouverte et j'aimerais bien en reparler. Dans et comment on a découvert ce trafic? C'était en passant la frontière? Oui. Alors, j'étais pas là quand ça s'est passé. Hein. Non, ça s'est découvert en Belgique. Une enquête est ouverte. Un fermier était. Ouais, c'est du côté. Je vais pas dire. C'est pas du côté des francophones, c'est du côté des flamands. Il faut faire appel en fait. Il faut arrêter de prendre de la drogue, comme ça, ils arrêteront de mettre ça dans les vaches. Oui, voilà. Mais c'est vrai, c'est très mauvais. À suivre, Dominique, merci. On passe à Georges. Oui, Karine. Au Portugal, toute la presse a parlé cette semaine d'un événement très important. C'est que notre président de la République, Jorge Sampaio, est en visite officielle en France à partir du 11 avril, donc lundi prochain. Donc, on a une coupure du magazine Visa, notamment, mais tout le monde en a parlé. Et donc, nous sommes très, très fiers. Pourquoi il vient? Il vient déjà pour nouer encore plus de liens. On a toujours été très amis avec la France, les Portugais, donc pour l'amitié franco-portugaise. Il vient aussi avec une vingtaine d'industriels pour stimuler... Vous êtes en train de rigoler. Qu'est-ce qui vous fait rire? Parce que la photo est très, très drôle. Je vois bien, Jacques Chirac. Les prostituées, c'est la première à droite. Le problème, c'est la première à droite. Non. Tu dis que tu vas de ma part. Donc il vient avec toute une comitive, bien sûr, avec des industriels, pour stimuler aussi les relations économiques entre les deux pays. D'accord? Mais est-ce que vous connaissez, Karine, Kamel et Cyril, quelqu'un que vous connaissez personnellement, qui a déjà... Et vous aussi, et vous aussi, et tout le monde, qui a déjà été invité personnellement pour aller dans un dîner officiel à l'Élysée? J'aimerais bien, moi, une fois dans ma vie, j'aimerais bien. Vous êtes déjà allé à l'Élysée, vous? Non, jamais été à l'Élysée. Cyril? Ils m'ont beaucoup appelé, j'ai beaucoup refusé. Mais bon, là, je vais devoir y aller parce que j'arrête pas de trouver des excuses, donc là, ça va être... D'accord, et bien, permettez-moi de frimer juste un petit peu, je vais vous faire écouter un appel, justement. Reçu mercredi 6 à 12h22.
Oui, bonjour monsieur, ici le service de presse de la présidence de la République française. Je voulais vous inviter, si vous le pouvez, à venir au dîner d'État qui aura lieu au palais de l'Élysée en présence du président portugais Sampaio, lundi prochain, 11 avril, à 20h. Voilà, si vous voulez venir, merci de nous le confirmer. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Mais vous connaissez quelqu'un? Vous le connaissez, Georges Sampaio? Pardon. Vous connaissez le président Georges Sampaio? Je ne connais aucun des deux. En fait, je connais de la télé comme tout le monde, mais je suis super fier. Donc, c'est pour ça que je me permets. Pourquoi vous invite? C'est énorme. Donc, je pense dans le but de l'amitié franco-portugaise. Il faut moi, nous je suis tout à fait partant. Ah, oui. Je vous le raconterai c'est avec grand photos. Plaisir. Donc, ah, du ouais, coup, Bernadette et tout. Grand souci quand même, c'est que j'ai passé tout mon samedi à trouver la tenue pour lundi prochain. Ouais, parce que mais bon. Pas ça. Hein. mais pas le plus long V, là. Bordeaux, ça passera pas, ça, je connais. Ça passera pas, je connais. Ils n'aiment pas du tout cette vidéo. Tu connais. Merci, Georges, félicitations. Bah, photos, merci si beaucoup, Karine. Merci. Je voulais pas parler parce que je sais qu'il y a ma femme qui me regarde en ce moment, parce qu'elle regarde toutes les semaines, bien sûr, pour me voir moi, c'est pas pour eux. C'est juste pour moi. D'ailleurs, merde. Non, je crois que j'ai laissé la porte du garage ouverte quand je suis parti cet après-midi. Donc, est-ce que je peux dire à ma femme, là, d'aller fermer la porte du garage, comme merci, ça ? Merci, je vous en prie. Donc, Charlotte, est-ce que tu peux juste vérifier que la porte du garage est fermée ? Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, David ? Donc, elle est partie maintenant, je peux dire ce que j'ai à dire. Ah, et d'accord. Que... Donc, un nouvel service, on fait ça vite. T'étais dans l'utérus d'une vache, il n'y a pas longtemps, toi. Comment ? T'étais dans l'utérus d'une vache, il n'y a pas longtemps, t'étais drogué. Ce chroniqueur est drogué, monsieur. Ouais. Donc, un nouvel service, on fait ça très vite. Un nouvel service offert aux Anglais contre la modeste somme de 40 euros d'inscription et 30 euros par coup. Vous pouvez demander un alibi béton pour couvrir vos traces lors d'une petite lésion au mariage. Une liaison ? Liaison, oui. Donc quand c'est on trompe sa femme, on trouve des alibis, moyennant 40 euros. Oui. Donc, non, ça c'est 40 euros inscription, parce qu'ils vont être membres d'abord. Et puis chaque fois que dire. Vous voulez leur service, il faut payer 30 euros. C'est ce que vous venez de dire? Non, je dis qu'il faut être membre, je dis c'est le cas de le dire. Oui, il faut être membre. Donc je l'ai dit. Donc c'est le cas de le dire. Donc qu'est-ce qu'ils font comme, qu'est-ce qu'ils fournissent comme service? Ils envoient des fausses invitations à des réunions. Georges! Par exemple. David, tu as écouté le message toi-même. Ils envoient des confirmations des fausses réservations d'hôtels. Ils font des achats au nom de leurs clients dans les lieux où ils sont supposés d'être. Vous voyez comment c'est malin? Pour les relevés de carte bleue, pour justifier qu'on était bien dans tel pays à tel moment et tout ça. Ouais. Oh, c'est hyper pervers, c'est horrible. Tu vas me laisser la veste de ça quand même là. On sait jamais, ça fait ça. C'est important, ouais. Oui, donc c'est quelque chose qui n'existe pas en France et j'espère que ça n'existera jamais. Je crois que j'ai parlé pendant à peu près 2 minutes là et ça prend 2 minutes d'aller de la salle où il y a la télévision jusqu'au garage et revenir. Donc je vais arrêter de parler tout de suite et on va parler de quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Merci beaucoup, David. Après cette revue de presse européenne, allons plus loin encore. C'est Vincent qui vient nous raconter un phénomène typiquement québécois. On accueille Vincent. Je déménage, les Québécois déménagent tous à date fixe entre le 30 juin et le 1er juillet. Plus de 3 millions de personnes déménagent en 2 jours sur une population totale de 8 millions de personnes. Oh, mais c'est fixé par qui cette date? C'est obligatoire? C'est traditionnel et tout ça. Déjà, pourquoi on en parle aujourd'hui, parce que c'est quand même dans quelques mois, c'est parce que les gens doivent s'organiser dès maintenant. Vu que 3 millions de personnes en même temps partent, c'est un petit peu l'enfer, vous voyez. Et c'est traditionnel. Presque la moitié des Québécois? Presque la moitié, oui, tout à fait. Donc, c'est traditionnel, OK, parce que les gens ont été enfermés pendant 6 mois dans leur appartement l'hiver. Il faisait froid et tout, confinés et tout. Et au printemps, ils décident de changer d'air, tout simplement. Et aussi, il y a pas nécessairement une tradition, mais le côté juridique de la chose, c'est que 70 % des baux se terminent le 30 juin. Ah!
Voilà. C'est pas la date d'entrée dans l'appartement, c'est... C'est le 1er juillet, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça. Et donc, c'est un petit peu les deux raisons officielles. Et une fois le printemps arrivé, au Québec, il faut chercher l'appartement. Okay? Et c'est pas du tout comme en France. On fait pas du tout comme en France parce que c'est pas la même technique. Il n'y a pas de dossier à monter. Il n'y a pas de caution à donner. Les cautions sont illégales, il faut savoir au Québec. Okay? Il n'y a pas d'agence immobilière qui se spécialise. Il y en a bien sûr, mais les gens, c'est plus de particulier à particulier. C'est-à-dire, c'est de bonne foi. On fonctionne mano à mano, on discute ensemble et tout ça, et on y va très cool. Okay? Donc, c'est pas genre, oui, il nous faudrait 1500 euros, il nous faudrait aussi la garantie de vos parents. Vous avez 45 ans, pas de problème. Donc, on essaie d'éviter ce type de truc-là. Okay? On fait confiance aux gens. Mais bon, une fois que vous avez trouvé votre appartement, l'endroit de vos rêves, là, le cauchemar commence. Pourquoi? Bien, toute l'organisation, la garde des enfants, la garde des animaux, la location des véhicules, toute cette organisation, il faut faire hyper attention. Parce que pour louer un véhicule, il faut savoir que 30 jours avant la date fatidique, qui est le 30 juin, les camions, les prix doublent, voire triplent. Oh, ouais, okay? Donc, faut vraiment... Il n'y en a pas, de toute façon. Il doit y avoir une pénurie hallucinante. Hein. Ah oui, mais il faut savoir qu'il y a aussi des déménageurs pirates qui s'organisent. Ce qu'on appelle des déménageurs pirates, c'est des gens qui ouvrent des entreprises pour 15 jours mois. Avant et qui ferment 2 jours après. Vous voyez, c'est organisé comme ça. Mais il y a plus de 60 % de la population qui se débrouille par leurs propres moyens. Comment? C'est un drôle de pays. Non, mais... ça va bien, ça. Je le fais pas dire. Non, mais il n'y a pas d'arnaque. Enfin, s'il n'y a pas de caution à donner, tout le monde paye, tout le monde oui, est non, honnête. Non, c'est vraiment une relation de confiance. C'est bon, ça. Les gens payent. Voilà, c'est comme en ça. En fait, quand on vient dans cette émission, on a envie d'aller partout, en fait. Ça, tu ne payes pas ton loyer, tu ne peux pas payer ton loyer. Des conseils très importants. Réservez l'ascenseur. Vous êtes dans un bloc appartement. Réservez l'ascenseur. Il y a une petite fiche avec son nom, l'heure à laquelle j'utilise l'ascenseur pour éviter que tout le monde bloque la porte à son étage. Réservez l'escalier. Et oui, parce que si moi, je monte avec mon frigo sur le dos, Claude descend avec son canapé sur le dos. On est un peu con entre les deux étages. C'est arrivé en 82. Et ça... C'est arrivé en 82. Gros, grand accident, d'ailleurs. Aussi, et vu que vous n'aurez probablement pas le temps de faire la nourriture à la maison parce que tout est emballé, eh bien, vous allez réserver, bien sûr, pour la nourriture au fast-food. Il faut savoir qu'au Québec, les fast-foods font leur plus gros chiffre d'affaires de l'année. Plus de 50 % des gens prennent la nourriture dans les fast-foods à cette période. Je vais envoyer ma mère faire des sandwichs là-bas au Québec. Pendant les déménagements des sandwichs tunisiens, tu vois. En dessous, ça va faire un carton. Je lui dis, tu pars 3 jours au Québec, tu reviens dans 3 jours. T'inquiète pas, c'est pour moi, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est le fun bike. Il y a de l'argent à faire, il n'y a pas de problème. Et aussi, ben, le truc, c'est qu'il faut préparer des petites listes. Bon, vous prenez des petits bouts de papier, il faut marquer des trucs, la liste de déménagement, bon, les cartons, il y a plein de choses. Et quand vous avez terminé, eh ben, vous prenez votre petite liste, vous l'allumez, et là, vous pouvez faire la fête. Voilà. Magnifique. Tu as bossé avec Sylvain Miron? Merci beaucoup, Vincent. Nous savons maintenant à qui nous adresser si vous avez besoin de conseils pour déménager. Mais on revient à nos Européens. Leurs habitudes de consommation passées au crible, c'est la séquence plus ou moins. Difficile de passer à travers le phénomène du téléphone portable. On estime aujourd'hui que 3 Français sur 4 en possèdent un. Ça paraît énorme, mais ce n'est rien comparé à nos voisins. Alors, qui a le plus de portables en Europe? Combien de temps passons au bout du fil? Toutes les réponses dans le plus ou moins. Ça n'arrête pas de sonner en Europe. Et pour cause, vous êtes 389 millions d'Européens à avoir adopté un petit téléphone portable. Qu'il sonne ou qu'il vibre, vous ne pouvez plus vous en passer. Au Portugal, chez Georges, on a plus d'un portable par habitant. Faut croire qu'on a plein de choses à se dire. En Angleterre, en Suède et en Espagne, chacun possède son portable. Comme ça, pas d'histoire, ça fait la paix dans les ménages. En France et en Belgique, on aime partager, on a moins d'un portable par personne. Les bons derniers sont les Polonais avec seulement un portable pour deux. Mais c'était pas le tout d'avoir un portable, encore faut-il l'utiliser. Savez-vous que la moyenne de consommation téléphonique est de 91 minutes par mois? Au record du forfait explosé, ce sont les Français qui l'emportent avec 161 minutes par mois, suivi de très près par les Belges avec 111 minutes. Comme quoi, on a des points communs. Les Anglais et les Portugais sont plus raisonnables. Quant aux Allemands, ils ne téléphonent que 45 minutes par mois, soit 4 fois moins que nous. Là-bas, on préfère sûrement les vrais contacts. Enfin, pour finir, sachez que les Européens qui ont les portables les plus sophistiqués sont les Suédois et les Anglais.
Voilà, à bientôt. Et puis on s'envoie un petit texto après l'émission, hein. Eric, les Scandinaves sont les plus en avance en matière de technologie de portable. J'imagine que vous avez des prototypes d'enfer. Oui, mais justement, c'était très, très dur pour moi de choisir de quoi présenter aujourd'hui. Parce que vous savez, la Suède, la Scandinavie, on a deux des plus grandes marques au monde, la Finlande et la Suède, qui fait que je ne savais pas quoi présenter. Mais en fait, je me suis décidé que maintenant, avec la tendance qui vient se lancer en France, avec le numérique, avec le TNT, avec France 4 qui vient depuis... C'est une semaine, depuis jeudi dernier, depuis 31 mars. Je me suis dit que pourquoi pas parler d'un nouveau portable qui n'est pas encore sorti, mais on a fait des tests en Finlande, qui est une nouvelle portable, comme vous voyez, 16:9, super, écran gigantesque. Vous rentrez dessus et vous êtes maintenant... On peut maintenant regarder de la télé, le télé numérique. C'est maintenant possible de passer vos temps dans le train ou dans le bus et de regarder. Je ne vais pas voir tous les programmes, parce que c'est tout petit. On voit ça ? Ok, ouais. Est-ce qu'on peut téléphoner avec ? Bien sûr qu'on peut téléphoner avec. Oh. Voilà, ça se met en place. On peut juste regarder la télé, en fait. On ne peut pas téléphoner. Voilà, full screen. Eric, il dit, bien sûr, on peut téléphoner, mais pendant la répétition, il m'a demandé, mais comment on téléphone avec ça ? Maintenant, je le sais. Ça veut dire que maintenant, on peut, pendant plus de 4 heures, passer le temps de regarder des émissions. Et ça va être des abonnements où on paye par mois. On paye 15 € par mois. Et vous avez 8 différentes chaînes numériques qui fait que vous avez le sport, vous rentrez, vous pouvez voir justement un match de foot si vous n'êtes pas entre le travail et la maison. Et c'est vraiment très, très génial. Ça va coûter alentour de 700 € quand ça sort, mais c'est dans plutôt 2006. Hein. On n'est pas encore là. Vous avez le temps de prendre un crédit. Et regarde, l'image est impeccable. Demandez le crédit maintenant pour acheter ce truc-là en 2006. Oui, ça coûte cher, il a raison. Entre 650 et 700 €, ça va être le prix. Une machine à laver, avec ou sans forfait. Merci, Eric. Dominique. Dominique, vous avez un numéro que vous voulez qu'on retienne tous. Oui, je veux que vous reteniez tous le numéro 112. Est-ce que dans le public, vous savez ce qu'est le numéro 112? Non. Kamel. Vous savez, Kamel? Non. Cyril. Cyril, le 112. 112, c'est un numéro rose? Non, alors pas du tout, non. Alors c'est très sérieux. C'est un numéro qui existe depuis 91 et qui est un numéro d'urgence européen. C'est-à-dire que vous soyez en France, au lieu de faire le 15 ou le 18, vous faites le 112. Même quand votre portable est verrouillé, vous faites 112 et l'appel SOS est affiché. Au jour d'aujourd'hui déjà? Oui, au jour d'aujourd'hui. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une organisation belge qui s'appelle l'EENA qui a décidé de réunir toutes les personnes concernées pour que l'info circule. Et faire une campagne de communication. Pour faire une campagne de communication, une campagne de publicité. Et ce qu'ils veulent aussi annoncer, c'est déjà rien que le fait de savoir que le 112, que vous soyez en Espagne ou en Belgique. Est-ce que vous connaissez par exemple le numéro des urgences en Espagne? Moi, la dernière fois que je me suis senti mal en Espagne, j'ai fait le 18. Les pompiers m'ont dit, écoutez, vous êtes en Espagne, on arrive dans 3 jours. Attendez. Non, c'est bon, vous attendez. Non, mais c'est quand même quelque chose d'important. Ça existe depuis plus de 14 ans et personne n'est au courant. Et dans quelques années, en plus, vous pourrez utiliser le 112 sans votre carte SIM. Voilà. Donc je trouve que c'est... Donc avec notre téléphone sans carte SIM, ça fonctionnera quand même. Mais pas pour le moment, dans quelques années. Mais si on est en Espagne, on n'aurait pas encore en espagnol? Alors, voilà aussi. Le problème, c'est que au jour d'aujourd'hui, il n'y a que certains pays comme la Finlande, la Suède et les pays du Nord qui arrivent justement à répondre dans votre langue. Par contre, les autres pays, ce n'est pas encore évident. Alors, ce qui va se passer aussi, c'est que bientôt, vous pourrez être localisé. Vous ferez le 112 et on saura d'où vous appelez. Par exemple, voilà. C'est un peu Big Brother. Ça, c'est c'est pas mal. Mais tout ça, ils sont en train de travailler sur le projet. Mais sachez que le 112 existe depuis 91 et que si vous êtes dans n'importe quel pays d'Europe, vous faites le 112, tout de suite, vous serez les urgences. On vous répondra peut-être pas dans votre langue maternelle. Donc, si vous vous sentez mal, sentez-vous mal surtout plutôt en Suède ou en Finlande. Non, c'est Cyril qui appelle. Oh, Cyril, tu peux venir klockan 8 här hämta vid dig klockan 10. Bah, écoute, je vous rappelle. Merci beaucoup. Le 112, vous suggérez? Non, c'est pas mal quand même. 112. Annette, vous avez une info qui concerne tout le monde, de 7 à 77 ans. Et en fait, encore plus jeune, à partir de 3 ans, oui. En fait, nous, on est très pratique, pragmatique en Allemagne. C'est pour ça, dans les portables, on est moins gadget qu'on cherche l'utile. En fait, les deux derniers portables qui marchent très bien en Allemagne et qui sont très utiles, c'est un portable pour les enfants à partir de 3 ans. Oh, mais c'est odieux. C'est incroyable. Je vous explique parce que c'est très pratique. Et pour les personnes âgées.
Qu'est-ce qu'il est vilain, celui-là? Celui-là, il fait un carton aux maisons de retraite, celui-là. Oui, les deux cartons. Et en fait, ils se ressemblent pas du tout physiquement, mais les fonctions sont presque pareilles. Parce que les deux ont trois touches. Les deux ont une touche d'urgence. Par exemple, pour les personnes âgées, c'est très pratique quand même. Ils sont directement liés à un centre médical qui a toutes les informations enregistrées sur la pharmacie, sur la plus proche, le médecin tout le dossier médical de la personne. Exactement, on peut appeler en urgence. Pour l'enfant aussi... Trois touches. Oui, aussi un centre de service où il est lié, qui peut donner le numéro vite des parents, si l'enfant est perdu, c'est pas... Et en plus, les deux... sont équipés d'un GPS. GPS, c'est un moyen de retrouver la personne âgée, parce que les personnes âgées peuvent se perdre aussi, et aussi pour les enfants. On sait toujours où ils se trouvent, et on peut vérifier ça par Internet ou par SMS. Maria, c'est à vous. La mode chez vous en matière de portable, je suis sûre que ça va beaucoup plaire à Cyril. Donc là, ils ont tous des super portables, mais personne ne pense à télécharger les musiques. Et nous, on adore télécharger les sonneries, les petites animations. Et il y a un truc en ce moment qui cartonne, qui est numéro 1 en Espagne. Et il y a presque 100 000 téléchargements par jour. Et c'est un rap très, très spécial. Vous voulez voir? Oui. On regarde. Ah ben ça, ça va de manger du tortillard. Bon, en conclusion, c'est quand même difficile de vivre sans portable, à part peut-être pour les Allemands. Vous avez d'autres lubies, Annette? Mais oui. C'est le plus de folie. Voilà, on fait plein de choses pour être belle. En fait, vous savez, toutes les belles femmes au monde ont des secrets de beauté. Par exemple, on sait que Cléopâtre, elle se baignait dans du lait d'ânesse. Voilà. Et l'impératrice Sissi, elle s'est fait des masques pour mettre sur la peau du visage en flocons d'avoine, plus du lait, plus un purée de fraises. Et les femmes allemandes, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour être belle, pour avoir la police? C'est des bains de choucroute. Non, parce que ça sent pas très bon. Ça sent bon. Oui, mais les femmes allemandes ne sentent pas bon. Celle que j'ai connue, Birgit. C'est pas vrai. Non, nous, on prend des Erdbeersahnebäder. C'est la chantilly avec des fraises. Ah oui, d'accord. Un bain de chantilly avec voilà. Des fraises. Et je vais prendre un bain parce que, vous savez, on sort de l'hiver, la peau est sèche. Il faut la nourrir. On peut venir voir. Bien fait. Mais oui. Allez, venez. Venez voir. Bah, c'est en maillot. Oh. Ah, c'est très chaud. Oh là là. Elle est belle, Annette. Oh, quelle horreur. Oh non. Oh non. Voilà, c'est encore bien, évidemment, c'est encore mieux. Ah non. Mieux. Si on a quelqu'un. C'est important. C'est délicieux. Bien évidemment, je vais expliquer. Regardez, les fraises, on prend. En même temps, je peux manger. Et voilà, oui, les graines, c'est le vraie. Peeling, parce qu'on veut la peau belle et lisse. Avec toi. Oui. Après, ah, tiens, voilà, les gentlemen quand même. Les gentlemen, bravo. Ouais. Kamel Wally. Ouais. C'est pas très Et bon, c'est que des bonnes choses, hein.
Ça va mieux? Non, en plus, j'ai des acides aminés dans la langue. Je pense que ton visage va tout de suite resplendir. Juste après les peelings, bien évidemment, la chantilly, c'est le côté moussant. La crème, en fait, ça remplace la crème après parce que ça hydrate énormément la peau. Non, mais ça colle. Non, pas du tout. Bah, si. Non, après, on se rince. Ça mais ça coûte une fortune. Non, ça, parce qu'on mélange, avec de l'eau, bien évidemment. Et la chantilly, on ajoute parce que ça donne un peu un côté moussant. C'est hyper mousse. Agréable, ça sent bon et on peut s'amuser. Manger bah écoute, on va te laisser t'amuser, on se revoit tout à l'heure. Tu ne seras pas toujours là. Non, mais... Elle est magnifique. Est-ce que Kamel, vous avez vous aussi des recettes de beauté de grand-mère? Non, pas vraiment. Non. 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 Cyril? Et qu'est-ce qui se passe? Des recettes de beauté de grand-mère? De grand-mère? C'est pas un peu de chouchouka, là? Non. Oui, c'est non. Ça. Oui. En fait, elle met trois boulettes, en fait. Une ici. Et tu vas voir, et ensuite, ça, elle a une peau de bébé. Ma grand-mère a 82 ans, elle rentre en 3e 2. Entendez. Merci, je t'embrasse, mon chéri. Et Annette, j'ai mieux, Annette! Ah, il y a Dominique qui vient. Et la musique, s'il vous plaît, pour les soirs. J'ai mieux! Tu connais la région des Fagnes en Belgique? Ça donne moins envie, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est de la tourbe! Tu sais, c'est de la terre! Alors, c'est comme une sorte de terre glaise, ça vient d'une région qui s'appelle les Fagnes, c'est près du circuit Francorchamps. C'est près du grand circuit de Formule 1 Francorchamps, d'accord? Et alors, ça a des vertus anti-inflammatoires. Mais je le vois! Ça n'a pas que des vertus anti-inflammatoires, ça nettoie ma peau. Parce que toi, tu avais tendance à t'enflammer. C'est de l'eau avec de la terre. De la tourbe que nous trouvons dans les Fagnes. Alors, il y a un endroit qui s'appelle Spa, qui est une ville thermale, une des plus connues. Mais j'y avais rien fait. C'est une ville thermale les plus connues. Et maintenant, c'est des vertus très thérapeutiques. Non, mais c'est vachement bien. Oui, mais ça nettoie la peau, vertu anti-inflammatoire, l'anti-rhumatisme. Annette, tu veux essayer? Oui, si on mélange. Attends, on peut essayer le mélange. Avec la chantilly. Je vais t'amener là-bas. Allez-y. Ah non, arrête. Je vais peut-être venir avec les deux. Non, mais c'est très chaud. J'ai un peu senti. Qu'est-ce que penses-tu? Fais gaffe, toi. Je fais rien. Alors, excuse-moi. Alors ensuite. Je dois aller juste là-bas. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Mais mon Dieu, mais quelle horreur. Voilà. Non, mais heureusement que non, mais c'est tout à fait sérieux, c'est chaud. Vous devez rester dedans pendant 20 minutes. Ça a une température de 39 degrés. C'est bon pour la peau. Alors c'est très bon pour la peau. On peut aussi en faire des masques, mais pour ça, il faut que ça c'est désagréable. C'est vachement non. Agréable. Ah non, c'est pas agréable. Non, non. Tiens, attendez. Tu nous disais. Alors tu restes 20 minutes dedans, 39 degrés, tu peux même aller jusqu'à 41 degrés. Et c'est vraiment nickel, après tu te sens bien. Tu peux faire ça même tous les jours pendant un mois, ou alors une fois, à raison d'une fois par semaine. Allez. Allez, c'est bon. Allez, on est pour la chantilly. C'est n'importe quoi. Merci Annette et Dominique. Merci le public. On reste dedans. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est bien, t'es beau maintenant. Oui, bah oui. Tu seras beau tout à l'heure. C'est en fait. Kamel Wally, vous avez mis en scène et signé une comédie musicale qui va venir chez nous à Paris à partir du 22 septembre au Palais des Sports, oui. Qui s'appelle Le Roi Soleil, et qui donc raconte l'histoire de Louis XIV.
C'est ça. Depuis son enfance jusqu'à sa mort? Non, pas jusqu'à sa mort, en fait, on va s'arrêter un peu plus tôt. En fait, l'histoire, elle est très simple. C'est l'histoire d'un homme, c'est le dilemme, en fait, d'un homme. Va-t-il choisir son destin de roi ou sa vie amoureuse? Et en fait, jusqu'à très longtemps, il va choisir sa vie de roi, parce qu'il ne pourra pas épouser la femme qu'il aime. Par exemple, tout à l'heure, on va accueillir Emmanuel Moire et Anne-Laure, qui jouent le rôle de son premier amour et qui ne pourra pas épouser. Pour des raisons d'État. Pour des raisons d'État, jusqu'au jour où il va dire maintenant, stop, je vais épouser la femme que j'aime. En secret, sauf que nous, on va pas le jouer en secret, on va le faire le grandiose, et ça sera notre grande finale. Parce que ça pourrait être aussi l'histoire d'un homme d'aujourd'hui. On n'est pas, il y a des fois où le destin qu'on aimerait avoir. Voilà, c'est l'histoire de Camilla et Charles, un peu. Un petit peu. Non mais voilà. C'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est un peu ça, sauf que lui, il n'a pas des grandes oreilles. Sauf que notre roi, il à partir du moment où c'est pas possible, c'est pas possible. Il reste pas avec elle pendant 30 ans et au bout de 30 ans, il l'épouse, quoi. Donc des décors magnifiques, des décors magnifiques. Il va y avoir, moi j'aime les choses très visuelles, donc il va y avoir des choses dans les airs. Il va y avoir, ça va être fort en émotion aussi. Il va y avoir, grâce au rôle de Monsieur, qui est le frère du roi, qui est un personnage gay tout en couleurs, où il y aura aussi des moments assez ludiques et drôles. Il y a, voilà, j'ai en fait en ma possession un livret assez exceptionnel où je vais pouvoir m'éclater un maximum et faire du grand spectacle. Non, mais sans rigoler, voilà. J'ai vu le showcase. Ah bon ? Sans déconner, parce que j'ai vu le showcase de la comédie musicale de Roi Soleil. Une avant-première, vous avez vu une avant-première? Ouais, et franchement, sans déconner, moi je suis pas très de comédie musicale normalement, et bah franchement c'est de la bombe. Non mais vraiment, c'est beau. Sans déconner, même moi je n'ai pas parlé pendant tout le spectacle, moi. Non. Ah ouais. Sans déconner, franchement c'est top, top, top. Alors top, le disque, le Roi Soleil est déjà sorti. Et ça marche, et super, ça bien. Marche super bien. Ouais. Et là c'est le deuxième single qui sort. On va l'écouter dans une seconde. Ça s'appelle Je fais de toi mon essentiel. Ça sort le 26 avril. Merci Cyril. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna est une ordure. C'est le nom de son spectacle qui est en tournée dans toute la France. C'est très très drôle. Ça critique beaucoup le monde de la télévision. D'ailleurs, ouais. Je ne sais pas pourquoi on vous a invité. Non, mais je ne critique que ceux qui ne sont pas mes amis. Très bien. Voilà. Je en tournée dans toute la France et aux Antilles. C'est aux Antilles. Eh oui. Et c'est la France aussi, les Antilles, faut dire. Bah oui, bah oui. C'est très bien d'aller les voir. Et il va faire l'acteur. Et il va faire l'acteur aussi. En juillet-août, là, voilà, on tourne un film, là, premier film en juillet-août, voilà. Et... Un rôle très, très dramatique, j'imagine. Oui, tu imagines bien. Très non, bien. Non, pas du tout. Non, 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 un rôle de loser, hein, comme moi. Voilà. Merci beaucoup, Cyril. Merci. À bientôt. Kamel, alors. Vous avez fait la chorégraphie de cette chanson ? Ouais. Eh bien alors voilà, c'est parti, on écoute. Je fais de toi mon essentiel. On écoute et on regarde. Je sais ton amour, je sais l'eau versée sur mon corps, sentir son cours jour après jour. J'ai remonté les tourments pour m'approcher encore. J'ai ton désir ancré sur le mien. J'ai ton désir ancré à mes chevilles. Viens, rien ne nous retient à rien. Tout ne tient qu'à nous. Je fais de toi mon essentiel. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus que personne, si tu veux qu'on s'apprenne, si tu veux qu'on s'apprenne. Merci Cyril, merci beaucoup Kamel, passez un excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe, la semaine prochaine c'est Ariel Dombal. Tu sais mon amour, tu sais les mots sous mes silences, ce qu'ils avouent couvrent et découvrent. J'ai à t'offrir des croyances pour conjurer l'absence. J'ai l'avenir gravé dans ta main. J'ai l'avenir tracé comme tu l'écris. Tiens, rien ne nous emmène plus loin. Geste qui revient.
je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus que personne. Je fais de nous mon essentiel. Tu me fais naître. Qu'on s'appartienne.